Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui sur un jeu qui s'appelle Condemned 2. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un petit live dessus. Donc déjà je vais pour le moment baisser vraiment le son de la musique. Quoique je le... Non en fait je vais laisser comme c'est, voilà, je vais laisser normal. Je couperai tout simplement dans le montage, enfin, je ferai en sorte que vous entendez vraiment ma voix et que vous entendez le jeu mais pas sans trop l'entendre. Enfin bref, je ferai les réglages, tout ça dans le montage directement. Alors on se retrouve dans un jeu qui fait flipper, dans un jeu où votre destin, où vous devez survivre, un jeu de survie, un jeu où vous tombez sur des psychopathes, où vous devez tuer des gens tout simplement, où vous devez tuer, pourquoi je m'embrouille moi? Alors je vous explique un peu le truc, je suis allé à la Fnac il y a 3 jours, et j'ai dit au vendeur, bonjour monsieur, j'aimerais un jeu qui fasse flipper sa maman. Non, j'ai pas dit sa maman, j'ai dit sa mère, c'était mieux, ça passait mieux quoi. Alors il m'a conseillé au début Dead Rising 3, où il allait vraiment dans les jeux qui vraiment le plus cher possible. Jusqu'au moment où je lui dis, où je suis parvenu à lui dire cette phrase. J'ai un budget de 10 euros, voilà. Donc ensuite il est parti dans les occasions, il m'a dit on va tenir, voilà. C'est ça en gros, voilà, on a trouvé un petit jeu à 10 euros, démerdez-vous. Hein. Voilà, en gros c'était ça, je vous jure c'était ça. Enfin bref, je l'ai quand même acheté du coup. Et du coup on va voir ce que ce jeu vaut. On va voir ce que c'est exactement le truc. Donc commencer la mission, on va mettre en difficile, non, je... facile, normal. J'hésite entre les deux, j'hésite entre les trois. Facile, normal ou difficile. Là, il n'y a pas nobis, facile, normal, difficile, légende. Souvent, sur des jeux vidéo, je tombe sur des trucs comme ça, genre légende et tout. Mais plein de trucs, non, novice, facile. C'est quoi la différence entre novice et facile? C'est pareil, qu'est-ce que tu m'embrouilles? Bon, du coup, je vais mettre facile ou normal. Aidez-moi, les gens, s'il vous plaît. Vous pouvez pas m'envoyer un SMS, mais normal, facile ou je sais pas. Bon, bref. On va mettre, pouf, pouf, une balle en or, c'est toi qui sors au bout de 10, 1, 2... 3, le live le plus long des temps, de tous les temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 9, 7, 5. Bon, allez, en normal. On va faire le ouf, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il gueule? C'est qui éteint le jeu? C'est qui éteint? Voilà, c'est qui éteint? J'ai reçu l'appel à 10h36 ce matin. Oh cool, content pour toi. Avez-vous une idée de qui il s'agit ou des motifs de cet appel? Non monsieur. Je vous fais la traduction en français en même temps. Quoique, ouais, prof. On va regarder un peu la cinématique. Histoire que je comprenne aussi un peu le jeu. Nevertheless, he resigned from the agency shortly after and basically disappeared. Probably passed out in some gutter. Ah merde. Unlikely. A man like that doesn't just lie down quietly. Okay, let's find Mr. Thomas. Ok, Monsieur Thomas. Je ne sais pas qui c'est, mais apparemment, faut que le mec le retrouve. Monsieur Thomas, je voilà. C'est de la coke, du sucre, du sel? Non. Si, une boisson. D'accord. Ça a l'air dégueulasse son truc, hein. Je suis désolé, mais. It's for you. Says his name's Malcolm Van Horn. Right, but if he calls again, I'm hanging up. It's a fucking answering machine. Okay, d'accord. Okay, donc il est bourré. On est d'accord. Oui, d'accord. Super. On va contrôler un bourré, je le sens. Il y a quelqu'un qui le pousse. Putain, moi je me serais. Eh, mais lève-toi, va niquer sa race. Oh putain, c'est flippé, c'est quoi ça? Non, les gars, ne frappe pas, il a rien fait. Pourquoi tant de violence envers une bonne être humaine? Bah oui, mais là, il l'a niqué. Putain, le jeu, il commence vraiment à me faire flipper. Je sais même pas comment on y joue encore. Putain, le mec, il s'est fait bousculer, il l'a niqué, quoi, carrément. Il s'est pris, hein, il a juste poussé son père exprès. Et puis lui, il a mis 4 coups de poing, quoi, direct, pas de... Ok, donc Ethan Thomas, c'est lui, crevé en... Donc, Ethan Thomas est un bourré, d'accord, un alcoolique, faut qu'il lâche les alcooliques anonymes, hein, ça existe les alcooliques anonymes, enfin, si en plus il commence à frapper tout ce qui bouge. Moi, si tu veux, j'ai un punching ball chez moi, il est posé, t'as eu. Donc voilà, on se retrouve sur Condamned Bloodshot.
C'est la première fois que je joue à ce jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de live. Donc pour moi c'est une première. Est-ce que je vais... Faut savoir que les films d'horreur, ça me fait en général plutôt flipper. Enfin, il y a des moments où je suis un peu stressé. C'est pour ça que je joue pas trop. D'ailleurs, je vous ai prévu des let's play sur Dead Rising 2. Je voulais vous faire Dead Rising 3, mais je crois qu'il est que sur Xbox One et PS4. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà quoi. Où se gèle trop pour rester dehors? Attends, je vais t'aider à te relever. Ok, sifflement. Je vais pouvoir lui éteindre la torche. Ok, ça c'est la première news. Putain. Ah oh non, c'est un rat, tout va bien. Bon, alors, faut monter. Oui. J'ai. Mais tu pues encore plus que moi et pourtant les dorpelles ça me connaît. Ok, toi. Ah, la direction du. B. Hey, screw you! Je peux lui refaire un doigt là parce qu'il m'énerve celui-là. Putain, on peut même pas le frapper, non, mais le fuck quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, ça c'est pour sprinter, d'accord. Alors. Mais j'ai envie de le frapper lui, comment ça m'énerve? Ok, bon, vas-y, je te suis, gamin. Je peux pas passer un peu plus vite, par contre en glissant il est un peu longué. Bon c'est pas grave, on y est. Donc je suis Clodo. Putain, cet endroit me fait vachement flipper. Ouais bon, ça c'est plutôt banal. Hein. Dégage-le, voilà. C'est bien, laisse le boss, voilà. Ah c'est ta maison ça, gamin. Putain, hey, tu dors dedans. Et comment ça se passe? Hey, t'as des meufs? Hey mec, t'as des meufs? Ma planque est vide en forêt. Hey, tu ramènes de la goto ou pas? Hey, attends, hey, regarde-moi. Hey, viens, mais regarde-moi, je t'ai dit là, je te cause. Oh! Hey, quand on est poli. Oh, putain! Ah, un mec. Putain, on dirait le mec de tout à l'heure, mais arrête. Hein? Regardez, on va faire des. Attends, donc il est où déjà? Attends, il est où? Il est où? Oh, tiens, petit con, voilà, petit connard, petit salopard là! Voilà, tiens, prends-toi ça dans la gueule! Putain, je prends pour qui, gamin? Voilà! 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 Allez, viens, viens, baltringue! Petite baltringue, va! Petite baltringue, va, petit connard, tiens, bouffe mes poings là! Quoi? Eh, tu prends pour Bruce Lee ou quoi? Tiens, viens là, eh, viens là, tiens! Tiens, gamin! Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te faire là? Voilà! T'es niqué mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà! Voilà! Alors, bloquez parade, bloquez tirer pour bloquer, bloquez avec une parade. Ok. Il y en a un autre là ou pas? Moi je suis chaud les mecs là. Ah ok, d'accord. Pas mal. Ok, j'ai compris le système. Mais mets-lui un point! Voilà! 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 C'est comme ça les mecs de la street, tu comprends ou pas? Hey! Alors, attends, pour attaquer lorsque l'écran affiche un combo sur un hélice, vous recevez des dégâts durant la séquence. D'accord. Enfin, un combo double impact. Je sais pas si je vais réussir celui-là. Mais c'était quoi ton combo de double impact? J'ai pas bien compris. Hein. Désolé, ma poule. Le combo sera raté. Oh putain, son grand-père, l'autre. Mais tiens, prends-toi ça dans la gueule. Voilà. 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 Non. Mais mets-lui un coup. Mais. Putain. Voilà. 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 Pourquoi il crève pas l'enflure? Mais crève, putain. Mais. Eh, hey, mais c'est quoi ce mec? Putain, ils m'ont ramené X-Men, quoi. Mais. Avec son collier chelou, là. Voilà. 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 Mais. Ah. Putain, je comprends rien, je me bats comme une merde. Oh là là. Mais c'est quoi ce mec? Mais. Oh yé, maintenant achevez-le. Bah, il est marrant lui. Putain, il m'a ramené le big boss. Oh putain, voilà. Il est niqué là. Oh, putain, comment j'ai galéré à le dégommer. Mais c'est un truc, c'est abusé quoi. Ah, ça m'a dit dans la poubelle. Un madrier. C'est quoi le madrier? Monsieur, c'est quoi le madrier? Mais c'est quoi son... Ah ok, d'accord, c'est à la santé apparemment. Ok. Bon, maintenant je fais quoi?
Parle-moi, toi. Ok. Alors, je vais peut-être passer par là. Non, comment on fait? Et ok, donc faut que je me repère un peu, pardonnez-moi. Alors ce jeu-là, donc tout le truc que j'ai remarqué directement, c'est un jeu qui fait plus ou moins flipper. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un jeu genre un jeu de street en fait qu'un jeu qui fait flipper. Je crois que le vendeur renseigne mal les gens. Je suis tombé sur un vendeur de merde. Alors, non, je déconne, ça va. Utiliser Medikit. Bah oui, mais pourquoi il les utilise pas? J'appuie sur A. Je reste même longuement appuyé sur A, ça les utilise pas tes Medikit. Ah, peut-être que la porte elle est là. Faut tourner cette porte ou pas? Mais faut passer par où? Mais, mon dieu. Ah, ramasser. Ok, battez les ennemis restants. Putain, ils font flip. Allez, viens là, connard. Voilà, voilà, trou du cul. Voilà, petit con. T'apprends la vie avec moi, là. Tu vois, tu l'apprends la vie, là, hein. Ça te fait... Ça, mon petit prince des ténèbres. Viens là, mon petit prince des ténèbres. Bon. Ramasser, voilà. Il m'a fait flip, lui. Voilà. Ah, putain, je l'ai pas vu venir. Putain, ils sont deux. Putain, les enfoirés. Tiens. Voilà. Hein? Mais il est passé où, lui? Hein? Putain, mais il est sorti d'où, ce con? Putain, je l'ai même pas vu arriver, l'enflure. Putain, il est sorti de nulle part. Tout à l'heure, je l'ai vu, il était avec son pote, là. J'en ai tué un des deux. Ah oui, c'est vrai qu'il en restait un. Bon, bah, on peut dire que GG à lui. Hein. Bon, j'en ai marre de rester là. Je peux pas sortir un peu, là, parce que ça m'énerve, ce petit truc. En plus, je commence à flipper doucement, mais sûrement. Bon, maintenant, je fais quoi, moi? Y'a pas une sortie? Putain, l'ambiance, là. Pour information, je joue dans le noir pour plus de sensations. Si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Medikit. Ah bah voilà, là, c'est ouvert. Allez, c'est parti. Reportez dans les relais, une antenne sont une source vitale d'information. Ok, d'accord, bon à savoir. Je sais pas si c'est vraiment super bon à savoir, mais ça a l'air pas mal. Enfin, plutôt une bonne nouvelle, quoi. Voilà, je frappe la porte. Alors, bon, non, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Attends, ah là. Saisir antenne. Régler. R. Attendez. Non, c'est pas ça. Mais il sort d'où, lui? Hein? J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris à la scène. Rattraper Von Horn. Mais il est où, ton Von Horn? Je sais pas où il est, ton Von Horn. Je connais rien au jeu. Tu me demandes de trouver ton Von Horn. Et peut-être passer par là, ton Von Horn. Le mec, je connais pas One Horn, il me demande de ramener One Horn. J'essaie pas de le ramener, toi, One Horn. Hein. Je suis désolé, mais... Rattraper One Horn. Là, j'étais tranquillement en train de régler la... Ah, ok, d'accord. Bon, là, la porte, elle s'ouvre. Il est où, One Horn? One Horn! Mon ami One Horn? One Horn Teletubbies? One Horn dans la supla? One Horn, je ne te veux pas de mal, mon ami. Je te rassure. Ah, il est là sur One Horn. C'est un yinche, c'est quoi ça? Il est vénère. C'est un yinche vénère. Ouais, je vais pas le voir, moi. Ah, le yinche, hors de question que j'aille le voir. Alors, One Horn. Putain, c'est quoi ça? Oh non, vas-y. Oh putain, il y a du people. Oh, viens là, toi, faut que je défonce du mec. Voilà. Tiens, tout se fait avec les couches et WAM. Voilà, tiens. Ces appareils mystérieux sont dissimulés, on sait pas. Ça m'a l'air passé en avec une augmentation. Ok. Bon, en tous les cas, je tenais quand même à vous dire dans cette vidéo que je compte vous commencer à vous faire des let's plays sur Dead Rising 2. Alors, Dead Rising est un jeu que j'aime énormément. Pourquoi? Tout simplement. Et c'est vraiment ce qui m'attire dans ce jeu, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fait qu'on puisse vraiment frapper des zombies avec n'importe quoi. Et c'est vraiment pour moi de la rigolade ce jeu. Et voilà, je voulais prendre le 3, mais je sais pas pourquoi ils l'ont fait que sur le 2. Donc du coup c'est un peu chaud, quoi.
Alors, je vais régler son antenne. Ok. Non, saisir antenne, c'était pas ça. Lâcher l'antenne. Les touristes de découvrir d'où ils proviennent pour le moment. Un petit service à la ville est demandé, détruisant. Ok. Allez, détruisant. Bon, déjà, faudrait que je sache où dois-je aller. Hein, parce que là, je suis un peu dans un endroit plus ou moins bloqué. Hein, et je commence à flipper un petit peu. Enfin, flipper. Disons que je flippe doucement. Mais sûrement. Est-ce que c'est par là que je dois passer? Hein? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Je dois remonter l'escalier. Si seulement on me disait où je devais aller, ça m'aiderait vachement. Ah, peut-être qu'en montant en haut, la porte, elle est super. Franchement les gars, vraiment super. Très bien que... Pas la peine d'essayer de leur parler ou de leur faire entendre raison, buter si tu ne fais pas. En fait, tu vas vas-y, fais flipper. Hein. J'ai compris. J'ai compris. Je crois que je vais rester là. Hein. Il est joli le mur. Et là, au moins, on est en sécurité. Pourquoi se prendre la tête? Moi, j'en ai rien à foutre des mecs dans le jeu. J'en ai rien à foutre de l'histoire. Je reste Al. Hein. Je suis Zeppo, tu vois. Putain, j'ai peur. Imaginez, il se retourne derrière moi, il y a un mec. Non. J'ai peur, quelqu'un il se retourne derrière moi, il se passe un truc, je sais pas. Bon, attendez, on va aller en bas. Voilà, je suis Guillaume. Je viens juste pour me balader. Comme pour me balader, c'est tout. Je ne vous veux aucun mal. Je suis très gentil. Et j'ai que 16 ans, s'il vous plaît. Laissez-moi la vie. Laissez-moi la vie. Putain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gaine électrique, ça peut servir éventuellement. Bon, si seulement je savais où fallait que je passe. Pourquoi quand je passe cette pièce là, pourquoi ce truc là ça me, hein, ça me déstabilise. Je ne sais pas et je sais même pas où. Attendez, mon objectif, détruisez les émeutes Sonic installées sur les murs. Ok. Donc c'est ça les Sonic. Non. Ça. C'est pas ça. Détruisez les émeutes Sonic. Ah, je crois savoir ce que c'est. Ça doit être ça. C'était ça? Oh yes, bingo. Tu fous quoi ici, minable? Mais c'est, je parle à qui? Hein? Quelqu'un qui m'a parlé ou quoi? Non, j'y rêve pas, j'ai bien vu un mec me parler. Quoi, j'ai détruit le machin là. Et il est où le truc blanc, hein? Il y a un truc chelou. Bon bref, faut que je détruise les autres trucs. Et où je vais les trouver ces machins? Des émeutes là. C'est de faire... Mais c'est... Je parle à qui? Mais putain, c'est qui me parle? Mais arrêtez de me parler et me faire stresser, putain, les mecs. Oh, montre-toi. Et j'espère tomber sur un gentil, s'il vous plaît. J'en ai marre de tomber sur des gens que je connais même pas. Putain, j'ai peur, je vais me faire agresser par derrière. Parce que je peux lui donner, j'ai rien à lui donner. Oh, oh putain. Oh le con, il m'a fait flipper. Je vais faire ta tronche à la télé. Mais casse-toi, petit connard, va, voilà. Je monte ma tronche si je veux, y a pas de problème. Voilà, tiens. Tiens, petit con. Petit couillon. Tiens, je t'apprends la vie, moi. Voilà, bon, maintenant je dois faire quoi? Continue pour sacher Von Arm. Mais je sais même pas c'est qui ton Von Arm. Arrête de me parler d'un mec que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie. Putain, Von Arm. Et je crois qu'il va me traumatiser, ce Von Arm, là. Putain, je vois ma gueule. Que je suis, j'ai l'air de faire flipper ou pas? Eh, je vais te frapper et ensuite je mangerai ton corps et ton sang. Bon allez, sérieusement. Donc je descends, hein, il faut que je trouve Von Arm. Où je vais le trouver, ça je ne sais pas, mais il faut que je trouve Von Arm. Von Arm, un mec que je connais pas, un mec que j'ai jamais vu de ma vie, et je m'en fous de sa gueule, Von Arm. En plus, tout à l'heure, quand il était là, il a voulu me tuer, et il me demande de le retrouver. Pour faire quoi? Pour faire des câlins? Mais c'est des malades. Jamais j'irai retrouver son Von truc, là. Putain. Si, je vais, j'ai envie, je vais le retrouver en fait, je vais aller te chercher quand même. Alors, utiliser Media Kit. Ouais, c'est pratique. Merci mon Kikit. Si seulement je savais où aller. Alors, ouais, saisir antenne.
Attendez, on va lui régler son antenne de merde. Ah bah ça je le sais, ça merci. Hein, lâcher RT, c'est vrai. Bon, où dois-je aller? Continue de chasser Von Homme. Mais si je le trouve pas, ton Von Homme, je risque pas de le pourchasser, mon gars. Hein. Je tiens à te le préciser quand même. Parce que je te vous explique un peu pour l'instant. Je suis dans une maison et je suis complètement bloqué. Je ne sais pas où sortir, je ne sais pas par où passer. Et on me demande de trouver Von Homme. Von truc là. Et en plus, regarde-moi, je suis bloqué dans un endroit où je sais même pas où faut que j'aille. Ah! Oh, j'ai trouvé une sortie. C'est miracle. Putain, je sens que je vais encore devoir niquer des gens. Ok, donc, ils sont où? Fais une attaque enchaînée. Oh! Putain, putain, ils sont qui? RT, LT. Ok, yeah! Bon, allez, là, j'ai trouvé une sortie. Oh putain, les mecs, ils sortent de nulle part quand même. Ça, c'est bien fait quand même. Les mecs, vraiment, tu les tues. Il était dans les toilettes. Allez comprendre pourquoi. Et là, je dois lui faire quoi? Je dois lui faire quoi? Et je dois lui faire quoi? Il va se réveiller là, mais lâche-le. Mais arrête de lui faire des câlins. C'est bon, hé. Putain, je touche toutes les touches là. Je viens de faire toutes les touches. Mmh, petit câlin. Il est gentil ce mec. Mais je dois lui faire quoi? Je dois lui faire quoi? Dites-moi s'il vous plaît. Je vais dans les chiottes. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse du mec? Je sais pas quoi lui faire, je sais même pas comment le frapper. Je fais toutes les touches là, y'a rien à faire. Dead Rising 2 téléchargé. Aïe aïe aïe, yeah. C'est bon, le live va pouvoir être... Je vais pouvoir commencer live. Oh, oh joli. Ah, c'était ça qu'il fallait faire. Putain, là tu fais moi la maline là hein. Là tu t'es fait niquer par la télévision là hein. Alors là on en parle plus, on la ramène plus hein. Regarde, je te bloude là, voilà. T'es en sang ma gueule, voilà négro. Voilà petit bab tout de merde, voilà. Putain, je viens de lui apprendre la vie littéralement là. Oh, c'est quoi ça? Non, ça va me servir à rien. J'aurais bien aimé prendre un flingue ou un truc plus pratique. Mais bon, apparemment dans ce jeu là ils connaissent pas trop. Oh, tiens. Oh, je suis tellement chaud là. Tiens, 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 petit négro, tiens, 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 petite baltringue, va. Attendez, je vais prendre un truc. Voilà, j'ai en balancé un dans la gueule, je crois, tout à l'heure. Attendez, je vais le prendre. Allez, ramasser. Allez, il y a un autre ennemi ou pas? J'attends les mecs, hein. Je vous attends, il n'y a pas de problème. Ah là, je suis prêt à en prendre plein d'un coup. Allez, je grimpe. J'ai toujours mon arme ou pas? Oh putain, le cul. Hey, wait! Putain, il fait flipper son Von Homme là. Putain, je sais pas, je sens que je vais me faire agresser. C'est quoi un yinche? Putain, il y avait un yinche! Ah ouais! Putain, ça fait flipper son grand-père. Putain, il y avait un yinche quoi. Truc de ouf, il y avait un yinche. C'est pas un petit yinche, c'est un yinche vénère. Tiens, petit yinche de merde. T'as voulu m'agresser, tiens, je te défonce, voilà. Faut pas m'agresser, moi, tu comprends? Putain, il m'a fait flipper en plus celui-là. Putain, je l'ai même pas vu venir. Allez, Kit Kat. Fermer porte, ouvrir porte, fermer, ouvrir. Rappelez-vous sur ma vidéo sur le résultat du concours. Quand je vous faisais faire le tour de ce qu'on pouvait faire avec une porte, bah voilà. On peut la fermer. Ouvrir, magique non? Alors, où dois-je passer maintenant? Alors, ouvrir portail. Ok. Ok. Pratique. Belle cinématique, l'autre con il est passé par là-bas. Oh putain, c'est quoi ça? Eh les gens, je viens de voir un truc, ça m'a choqué. Ouvrez pour lancer une arme. Ouais, bah déjà, il faudrait que j'en prenne une parce que je pense en avoir bien besoin. Putain, comment ils l'ont défoncé? Oh putain, elle change de flipper là. On arrive au moment. Attendez, attendez, je sors doucement. Doucement. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Alors, déjà, me procurer une arme. Hein, l'histoire que ça fasse plus mal parce que j'ai vu des mecs, ils étaient vénères à l'intérieur. Attendez. Attendez, attendez. Voilà, ramasser. Déjà, on a des briques. Puis on peut frapper avec ça. Voilà. Alors, ensuite. Voilà.
Ça c'est fait. Je sais pas où je vais, mais je suis en train d'aller dans des endroits. Et il commence à être de plus en plus chelou ce jeu. Plus en plus choquant. Putain, quand je pense, j'étais bien zen tranquille là tout à l'heure. Alors, continue une prochaine. Ah, mais son bonhomme là, il commence à me casser les couilles, mais à mort. Il commence à me les vraiment me les briser. Je vais passer par là. Ensuite, putain, c'est quoi le truc qui m'agresse comme ça? Par là, putain, je reviens à la case départ. Non, ok, donc c'est là-bas. Voilà, là je vais par ici. Je sais pas où faut que j'aille. Hein. Franchement, je suis le jeu. Ouvrir porte. Ok, d'accord. Et la porte, je l'ai ouvert absolument pour aucune raison. Ok, c'est tout à fait normal. Bon, sinon c'est bien beau tout ça, hein, mais à un moment donné, il faudrait bien me dire par où je dois passer, hein, parce que là, je reviens à la case départ à chaque fois, quoi. Si seulement on pouvait me dire où je devais aller. Oh putain, ok. Là, ça s'ouvre pas. Là-bas, bah, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ok. Bon. Bon. Allez, on va passer par là, les gens. Donc, j'espère que je vais pas trop flipper, qu'il va pas y avoir trop de trucs bizarroïdes. D'une bizarroïdeté très rare. Hein, parce que dans la réalité, on retrouve pas sur des animaux aussi chelous que ça. Enfin, j'imagine bien. Enfin, je le dis. Alors. Mais j'arrête pas de retomber dans le même endroit que tout à l'heure, là, ça. Ça commence un petit peu à m'énerver quand même là. Hein. Ah ok, d'accord. Donc, c'est là. Ouh là là, je commence à flipper. Je sais pas pourquoi. Allez, et confiance. Tout va bien. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Tintin. Ah, il y a un cum. Van Horn, hold up. I want to talk to you. Putain, il m'énerve son Van Hum là. Putain, ça vient d'où ça? C'est qui? Attendez. Non, il n'y a personne. Pourquoi j'ai mon truc qui vibre? Pied. Allez, tiens. Tiens, petit con. Tiens, je t'apprends la vie là. Voilà. Tiens, petit salopale. Putain, ils veulent tous me baiser là. C'est quoi le délire? Putain, oh là là, comment je galère. Allez. C'est quoi ça? Putain, ils nous ont ramené Venom dans Spider-Man. Je vous jure, c'est lui, regardez, c'est la même gueule, c'est le même corps. C'est incroyable. C'est quoi ça? C'est une pied de biche, c'est quoi? Ok, c'est pour les niquer encore plus. Ok, bon, allez, la sortie est par ici. Hein? Enfin, je pense que c'est par ici. Je suis quand même gaffe par derrière, je vais pas tomber sur des trucs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Donc en fait il va se passer quoi là? Il y aura une explosion, il va y avoir quoi? Ok. Ok. Je sais pas d'où elle est sortie l'explosion, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain! Mais c'est un animal, c'est quoi? Attendez, il est où? Il est où l'enfoiré? Il est là. Voilà! Tiens, voilà, je les ai niqués, mais littéralement. Là, ils ont rien compris à ce qu'ils viennent de... Voilà! Vous voyez, je suis qui moi ou quoi? Je suis un dangereux moi! Appelez-moi The Dangerous Man of the Planet! Putain, il est arrivé de n'importe où, lui. Ils arrivent de n'importe où. C'est quoi ces animaux chelous? Putain, il est... Voilà, tiens, petite baltringue. Putain, c'est même pas des animaux, c'est des trucs tout bizarroïdes, sortis de nulle part. Bon, dès que je le retrouve, je pense que je vais mettre fin au live à partir du moment où je vais le retrouver, parce qu'après, la vidéo va être un peu longue. Et enfin, voilà, j'imagine bien que parmi mes abonnés, il y en a qui aiment bien les courtes vidéos, il y en a pas mal même, il y en a après qui aiment bien les plus longues. Mais voilà, faut que je fasse attention que le live ne dure pas trop longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais essayer vraiment de retrouver son Venom là. Et ensuite, j'arrêterai, enfin, je mettrai fin au live tout simplement. Ah! Aurais-je trouvé une sortie? Non, même pas. Même pas. Son Venom, il est passé. Je sais même pas qui c'est son Venom en fait. Est-ce que c'est un pote à lui ou est-ce que je sais pas? Je ne sais point. Bon, allez, je fonce. J'aime foncer. Alors, où dois-je aller? Ah, ok. Enfin, j'ai trouvé. Donc là, j'accélère. Je viens de me faire carotte ou je sais pas quoi. Donc là, où suis-je? Ok.
Ok. Je vais me grimper. Voilà. Alors maintenant, où dois-je aller? Où dois-je aller? Là, apparemment. Voilà. Ok, enregistrement en cours. Donc, est-ce qu'on va revoir son bonhomme? On se fait agresser directement. Putain, c'est quoi? Il y a vraiment des animaux bizarres dedans. Ah, je vous jure, les gens, il y a vraiment des animaux extrêmement chelous. Par contre, je tiens à préciser, ce jeu-là n'est pas très flippant. Heureusement que je l'ai payé que 10 euros parce que voilà quoi. Il les vaut pas. Franchement, je vais vous le dire honnêtement, ce jeu-là, je le trouve pas mal pour les gens qui veulent vraiment passer leur haine sur des gens. Ou vraiment se taper. On peut quand même se taper des barres dans ce jeu, on peut se faire des vidéos délire dessus. Mais après, je sais pas combien il était à sa sortie, en sachant que c'est un jeu qui est sorti il y a vraiment un bon bout de temps déjà. Donc voilà, mais bon, moi en même temps là je peux pas vraiment encore vraiment vous donner mon avis personnel dessus. Faudrait vraiment que j'attaque un peu plus ce jeu là afin de vous donner un avis plus optimisé, parce que c'est pas en une vidéo qu'on peut vraiment donner qu'on peut vraiment dire ce qu'on en pense du jeu. Faut vraiment l'avoir testé, faut vraiment avoir passé du temps dessus afin de donner un avis plus optimisé sur le jeu, tout simplement. Dans certains cas, les armes lancées peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. Là, ça peut permettre de dévoiler une échelle. Ok. Pas mal. C'est quoi ça? Je me suis fait agresser ou quoi? Je ne rêve pas, je me suis bien fait agresser juste avant. Moi, avoir amnésique. Bon, allez, moi, monter tout de suite. Grimper. Voilà. Et là, tu grimpes, j'espère ne pas faire agresser. Crap, voilà, jusqu'à là tout va bien. Tu continues à grimper, tout va bien. Super. Et là tu trouves Venom et tu lui parles et tu mets fin à la vidéo. Pour éviter qu'elle soit trop longue. Non, et ben ce sera pas tout de suite, Venom. Ok, bon là je me retrouve au-dessus d'un toit tout bizarroïde et je me fais agresser de je sais pas où. Ok, c'était quoi? Ah, c'était ça. Ah, un petit animal. Il est où? Oh putain, je suis quick! Oh, mais je l'ai même pas vu l'enflure. Recommencer depuis le point de sauvegarde. Allez, les gars. Allez. Courageous. Allez, il faut tout simplement que je défonce un animal. Ça devrait pas être si compliqué que ça. Voilà, lui, je l'ai buté. Je suis où là? Mais je suis où? Je suis où? 1-1. Ok, tout à l'heure j'étais monté par ici. Ensuite, j'avais sauté par là. Donc là, ok. D'accord. Je suis complètement perdu. Que dois-je faire? Ah voilà, c'était là. Ensuite, là. J'étais passé par, je sais même plus où. Ah, si, par là. Là, je m'étais fait agresser par derrière, si je me souviens bien. Ou je ne sais plus par où, d'ailleurs. Non. Bon, pas d'agression. Allez. Là, ça, je le balance dessus. Voilà, je ne l'ai même pas touché, mais c'est pas grave. En tous les cas, ce jeu, je le trouve plutôt bien fait niveau coup, bien fait niveau... Parce que ce qui est bien avec ce jeu, c'est un petit côté... Dead Rising, justement, où on peut prendre vraiment tout ce qu'on trouve, sauf que là on tombe pas sur des grandes box, des trucs de tennis et tout, on tombe sur des bonnes armes. Donc c'est vraiment un jeu 100% fight, 100% street, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors où il est, où l'autre con? Il est où l'autre con? Ah, il est là. Voilà, donc là lui je vais baiser sa mère. Il est où? Ramène-le moi là. Voilà. Allez, prochain. Voilà, je l'ai reçu direct là. Ah, celui-là, ça a été vraiment rapide. Allez, ramène-moi encore un. Que je le défonce un bon coup là. C'est quand tu veux. Honnêtement, c'est quand tu veux. Allez, il y en a plus, c'est fini. Ça a l'air fini. Donc c'est bien. Allez, on va continuer maintenant. Alors, ouvrir porte. Utiliser. Ah! Oh putain, il m'a fait flipper! Oh là, il m'a fait flipper l'ordure! Oh, l'ordure, il m'a fait flipper! Il est où? Oh putain, il m'a fait flipper! Là, j'ai flippé là! Ah là, bien joué à lui, GG! Franchement, GG! En tous les cas, il est baisé! Donc, je vais récupérer
Medikit, voilà, là je suis à fond. Ok, un pec. Maintenant, où dois-je aller? Je vais me suicider, je crois, j'ai trop peur. Ok, donc là ça sauvegarde, c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais je flippe quand même. Déplacer les planches. Oh yes! Sauter en bas. Et voilà! Donc là, je me retrouve en bas. Continue. Mais il m'énerve, ton vin d'homme, je le connais. Paranormal Activity, c'est ça? Bon, allez. Tac, 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 tac. Je vais prendre l'arme qui était là-bas tout à l'heure. Qui était posée. Attendez, elle est où? J'étais bien tombé sur un truc là. C'est quoi ça? Ok, on tape les bouteilles. Ouais! Yeah! Yeah! Alors. Je peux prendre une chaise. Voilà, une béquille. Ah, ça, ça va faire mal. Coup de béquille, là, voilà. Là, on est des gangsters. Mais vraiment des vrais. Hein. Y a pas de faux gangsters. Alors, là, où ils sont? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Attention, y a-t-il un méchant? Non, il n'y a pas de méchant vu. Tout va bien. Honnêtement, là, je me sens yimbe. Tout va bien. Alors, fais voir un peu l'antenne ce qui peut nous dire. Attends, j'ai peur. Non, ok. Il y a bien, bel et bien personne. Donc là, je suis tranquille. Donc, réglé. Ok. J'ai pauvre idiot aussi. Un Vianney a vu un mourir qui te retrouve tout seul au début. Trouve avant qu'il ne se protège de l'espace et l'air pour un allié. Ok, donc c'est bel et bien son pote. En fait, ok, d'accord. Donc Vernum, le mec que je dois trouver, est son pote. Et c'est un des mecs qui pourrait... Ah, son coéquipier plus particulièrement. Et il pourrait apparemment bien l'aider. Donc il faut absolument que je retrouve son Van Damme. Son coéquipier Van Damme qui s'est transformé en je ne sais quoi. On dirait un zombie malfaiteur ou une connerie dans ce genre. C'est quoi ça? Attends, il était là le mec, il est passé par où? Ça sent les ennemis là. Là, ça sent les ennemis, je vous l'assure. Oh, une prison. Prison Break. Le retour. Tu recherches le lien, tu vas devoir devant le bureau. Mais il est vas-y, mais il est pas sérieux l'autre con là. Putain, il veut pas m'ouvrir la porte lui. Oh là là, vas-y. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement bah, l'attendre, vu que j'imagine qu'il va venir vers moi. Où dois-je aller là? Où dois-je aller? Donc j'ai passé par là. Je ne sais pas par où faut passer. Je suis Keblo. Je suis Keblo ou je ne suis pas Keblo? Bah je suis Keblo. Je suis Keblo tout simplement. Je ne sais pas par où faut-il aller. Quelqu'un peut-il me dire où dois-je aller? Voilà, c'est la grande question. Parce que là je suis tout simplement en train de me poser la question. Où dois-je aller? Et je n'ai point la réponse. Ah, peut-être aurais-je la réponse. Non. Je crois que je reviens à la case départ, là où j'étais tout à l'heure. Exact. Non, c'est pas là. Il y a un endroit où il faut aller. C'est obligé. Hein? Ne me faites pas flipper pour rien, s'il vous plaît. Non, ok. C'est génial. C'est... complètement génial. Je suis complètement bloqué et je ne sais pas par où faut-il aller. Ok. Je suis bloqué à vie. Je vais mourir. Moule de souffrance pour moi. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, j'ai cru qu'il allait se passer un truc. Bon, franchement, c'est bien beau tout ça. Hein, mais si seulement quelqu'un pouvait m'aider et me dire ce que je devrais faire pour pouvoir passer ou un truc dans ce genre, ça m'aiderait vachement. Ok, bon. Il faut pas frapper ça. Est-ce qu'il faut... Non, c'est pas ça. Mais je ne sais pas par où faut passer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là. Je suis complètement bloqué. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît? Et pourquoi on met des trucs de bébés? Franchement, il y a vraiment des bébés qui sont nés ici. Oh putain, ça craint. Ah, ça expliquerait le nombre de d'êtres humains qui sont plutôt bizarres. En fait, je pense que... qu'il y a des mecs très bizarres qui ont fait des enfants
Et ces enfants sont devenus adultes, et ces adultes-là, eh ben, ils sont tout bizarroïdes. Oui, je m'invente une vie, je m'invente une histoire, mais je suis plus ou moins stressé. Quoique ça va, je suis pas si stressé que ça, en fait. Hein. Un bras artificiel. Trop violent, ça. Trop violent. Quoique, en même temps, on fait voir ça. Ouh, ça doit faire mal aussi. Moi, bon, j'aimerais bien frapper quelqu'un, là. Putain. Les gens, quoi. Arrêtez de se foutre de ma gueule. Par où faut passer? Par où faut passer? Dites-moi, par où faut passer? Mais j'ai fait le tour de tous les trucs. Moi, je vais remettre l'antenne. Saisir antenne. Fallait découvrir les réponses. Trouve les réponses pour ton aspect. Un ami. En attendant, je sais pas où il est, le con. J'essaie pas de le retrouver, moi. Et je cherche Vandoms. Ah, le mec avec un nom bizarre, là. Putain, mais je peux absolument rien faire. Mais c'est pas possible. Ok. Ah oui, d'accord. Utiliser Medikit. J'ai juste de comprendre que c'était là où j'étais tout à l'heure. Donc la prison, elle est là. Putain, 35 ans avant de comprendre ça, quoi. Mais je suis vraiment con. Je suis absolument, vraiment, vraiment con. Putain, je viens juste de comprendre, quoi. Attention, je crois que ça va venir. Voilà, ouais, ça vient. Allez, tiens. Regarde-moi ce que j'ai. RT. Merde. Putain, oh, ils viennent en masse, les mecs, là. RT. Voilà. Tiens. Voilà. Tiens. Mais prends-toi ça, connard. Voilà, salopale. Salopale! Voilà, on reste avec des coups, nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh putain, je vais crever. Oh, je vais pas tarder à crever là. Oh, à ce niveau-là, je vais mourir. Oh putain, ah, vite. Attendez, ramasser. Faut absolument que je récupère des vies là. C'est pas possible, voilà. Attendez, je crois qu'il y a un truc ici. Voilà. C'est bon, un pec! Sergent toxique, un pec! Allez, on y va! Allez, on go! Oh putain, je vais le niquer, Van Damme. Il sait pas qu'est-ce que je vais lui faire. Je serai lui, je me cacherai direct, t'as eu? Même si je vais un peu flipper quand je serai plus devant lui. Mais bon. Allez! On y est. Donc là. Ok, j'ai vu un oiseau passer, tout va bien. Putain, c'est quoi ça? Répondre. Malcolm! Oh, c'est pas vrai. Oh non, non, putain. Je vais pas devoir passer par ça. Oh putain, non, pas ça. Non, s'il vous plaît. Putain, c'est trop noir là, je vais flipper à mort. Mais où je suis? Mais où je suis là? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, je suis dans un endroit extrêmement bizarre. Je sais même pas où je suis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, où suis-je? Où suis-je? Where I am. Donc, ce que je sais, c'est qu'il faut que je passe par là. Maintenant, où dois-je aller? Ok, oh putain. Ah, il m'a fait flipper. Putain, c'était quoi ça? Putain, ils sont là encore, ces cons. Voilà, tiens, mais putain. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Putain, c'est quoi ce jeu de malade? C'est quoi? Ah! Putain, ils sont en train de crever. Ils sont en train de me buter. Ils sont en train de me buter. Putain. Ah, oh, je suis mort. Bon, allez, les gars, on se fait une dernière tentative. Et si vraiment j'arrive pas à les tuer, ben, je mettrai fin à la vidéo, tout simplement. En tous les cas, c'est un bon petit live. Franchement, ça me fait bien plaisir de me retrouver dans un petit jeu d'horreur comme ça. Même si je suis pas un grand fan des jeux d'horreur, j'aime bien quand même. Mais je suis pas un grand fan parce que j'arrête pas de flipper toutes les deux minutes après. Encore celui-là, franchement, je trouve que je flippe pas vraiment. Hein, vu que c'est pas un jeu super vachement flippant. Donc voilà, mais franchement, en jeu flippant, il y a pire. J'ai déjà joué à des jeux comme Left 4 Dead 2, qui était des jeux vraiment que je kiffais. Et après, vraiment, un jeu que je kiffe vraiment de zombies, c'est vraiment Dead Rising. Sinon, le reste, en général, zombies, je suis pas vraiment trop zombie. Attends, je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a un mec en haut, là.
Attends, il est où le patron? Voilà, bah oui, il est salé. Détruisez les sacs suspendus au patron. Voilà, mais je l'avais tué l'huître. Mais je l'avais tué celui-là. Voilà, mais je l'avais tué juste avant. Ok, donc celui-là. Ah putain, vas-y, j'arrive pas à le buter, bon c'est pas grave. Là, attends, il est où? Il est où le bâtal? Ah, il est là, putain, merde, le con, l'enfoiré, l'enflure. Bon là, il est décédé, il est où? Oh, il est horrible, il est horrible. Ces bêtes-là sont horribles, je m'y ferai jamais. J'ai mis... Oh putain, mais il sort d'où encore celui-là? Je crois que je les avoir tous butés, moi. Attends, attends, il est où? Il est où? Il est où? Mais il est où? Voilà. Oh putain, je suis en train de crever. Je suis en train de crever, j'ai vraiment été bête. Hein. J'étais complètement débile. Il reste d'autres sacs ou pas là? C'est fini en sac. Ah mais, eh mais what the fuck? Eh mais le fuck? Putain. Bon les gars, j'aurais bien continué quand même, mais ça va faire quand même 46 minutes là que ça règle, 50 minutes quasiment. Donc je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous aurez bien kiffé. J'espère que vous aurez bien vibré quand même. J'espère que vous aurez au moins un peu flippé. J'espère quand même que vous ayez au moins un tout petit peu flippé. Même 0,5 flippé. Enfin voilà, en tous les cas, j'espère que ce live vous aura bien fait kiffer. Et on se retrouve pour un let's play sur Dead Rising 2. Je vais commencer let's play dessus. Je serai peut-être accompagné, je ferai peut-être des vidéos avec un pote dessus. Je sais pas encore si c'est ça, c'est officiel ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je compte bien commencer les let's play sur Dead Rising 2. On se tapera vraiment des barres dessus. Et en tous les cas, j'espère que mon petit live sur ce jeu d'horreur qui s'appelle Condemned 2 Bloodshot, qui coûte dans les 10€, qui vaut quand même pour moi les 10€, même si je le disais tout à l'heure, non. Mais je le trouve quand même plutôt bien fait. Bon, niveau graphisme, c'est pas terrible. On a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais quand même, c'est un bon petit jeu de fight, un bon petit jeu de street. Donc si vous voulez avoir quand même quelques sensations, enfin des sensations, vous mettez dans un... Là, je jouais ma chambre, là, elle est toute en noir. Enfin, je jouais sans la lumière. Il y a là, juste la lumière de mon ordi qui est à côté, mais c'est pas grave. En tous les cas, voilà, j'ai vraiment bien kiffé faire ce petit live. Et j'espère que vous aurez kiffé m'avoir vu sur Condamnette de Bloodshot. Et voilà, donc prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut la famille.